Bonsoir à tous, il est 19h, vous êtes sur Al 24 News à la une de l'actualité. La visite du ministre sioniste de la Défense, Benny Gantz, au Maroc ne passe pas. Réaction internationale et grande populaire dans le pays. Présidentielle en Libye, nouveau rebondissement. Saif al-Islam Gaddafi a vu sa candidature rejetée, tout comme celle de 24 autres candidats. Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, nous vous proposons un tour d'horizon à ce sujet. Culture, direction, les sonorités rock des Aurès avec le groupe IWL, Nesrine et Faisal sont nos invités pour ce 19h. Le Maroc ne recule désormais devant rien. Cette première visite historique du ministre sioniste de la Défense, Benny Gantz, s'est soldée par un accord sur la coopération sécuritaire. Les relations entre le Maroc et l'entité sioniste ont été rétablies en décembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham. Mohamed Amin Aperkan. Un an après la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste, le criminel de guerre ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, en visite à Rabat est parvenu à un accord sur la coopération sécuritaire. Un accord considéré par bon nombre d'observateurs de sans précédent en présence du ministre marocain délégué chargé de l'administration de la Défense nationale, Abdelatif Loudihi. Par cet accord, le voisin de l'Ouest se voit faciliter l'accès et l'acquisition de technologies, lui permettant aussi de s'imprégner de l'industrie militaire sanguinaire de l'entité sioniste. Les deux pays ont pu rétablir des relations en décembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham, un processus de normalisation soutenu par l'administration de l'ancien président américain Donald Trump. Dos au mur, Washington a tout simplement imposé au Maroc une normalisation de ses relations avec l'entité sioniste si elle voulait avoir les pleins pouvoirs sur les territoires occupés du Sahara occidental soutenus par l'Algérie, au moment où le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a porté lundi à Washington lors de sa réception du ministre de l'Extérieur marocain Nasser Bourita, un soutien appuyé au plan d'autonomie du Sahara occidental. La première visite d'un ministre israélien de la Défense au Maroc en pleine tension avec l'Algérie ne semble pas être une pure coïncidence. Par cette énième tentative, le Marzen désire montrer au monde, à leur propre population et à l'Algérie, mais aussi à l'Occident, qu'ils continueront d'approfondir leurs relations avec tout ce que cela implique. Les deux pays avaient établi des relations diplomatiques au début des années 90, avant que le Maroc n'y mette fin au début de la seconde Intifada, le soulèvement palestinien du début des années 2000. La visite de Benny Gantz intervient alors qu'Alger a rompu en août toute relation avec Rabat en raison d'actions hostiles du royaume et que le Front Polisario a décidé il y a quelques jours d'intensifier sa lutte armée contre le colonisateur marocain. Concernant cette visite du ministre de la Défense de l'entité sioniste au Maroc, le président du Conseil de la Nation algérienne, Salah Goudji, l'a considéré que c'est l'Algérie qui était visée. Iman Merat. 24 heures après avoir foulé le sol marocain, la visite du ministre de la Défense de l'entité sioniste, Benny Gantz, a été mal perçue par l'Algérie, ainsi que par d'autres pays africains opposés à cette expansion sioniste sur le continent. L'Algérie, par le biais du président du Conseil de la Nation, Salah Koudjil, a réagi, indiquant que c'est l'Algérie qui est visée par cette énième manœuvre machiavélique du Marzen. Aujourd'hui, les choses sont claires avec la visite du ministre de la Défense de l'entité sioniste au Maroc, après celle effectuée par le ministre des Affaires étrangères de cette entité dans ce pays voisin. Ce dernier avait menacé l'Algérie à partir du Maroc. Il n'y a eu aucune réaction du gouvernement marocain. Si cette visite avait été celle du ministre du Tourisme ou de l'économie de l'entité sioniste, elle aurait pu être interprétée comme entrant dans le cadre des relations déjà en place. Bien que dissimulée entre ce pays et l'entité sioniste, mais dès lors qu'il s'agit de la visite du ministre de la Défense de cette entité au Maroc, c'est l'Algérie qui est visée. Où sont les frères? Où est le monde arabe? Où sont les frères palestiniens?
La visite du ministre sioniste de la Défense, Benny Gantz, mercredi au Maroc, a provoqué d'ailleurs la colère et l'indignation de plusieurs associations et représentants de la société civile au Maroc, opposés à la normalisation. Et toujours au sujet de cette visite, des réactions internationales, à commencer par le mouvement de résistance palestinien Hamas qui appelle à condamner et à dénoncer cette visite. Le dirigeant du mouvement a déclaré que la normalisation, quel que soit son degré, ne donnera pas de légitimité à l'occupation. Gantz a été reçu par le ministre délégué chargé de l'administration de la défense marocaine. Les deux hommes ont signé un protocole d'accord qui lance formellement la coopération sécuritaire sous tous ses aspects entre les deux pays. Et le franc social marocain monte au créneau. La visite ne passe pas. Des appels à manifestation, des messages de dénonciation à l'image du groupe d'action marocain pour la Palestine qui qualifie cette visite de crime majeur de normalisation. Sofiane Baroudi. Des milliers de manifestants ont encore arpenté les rues des villes du royaume, malgré la répression qui s'abat contre des dizaines de militants incarcérés. Une grande mobilisation populaire en refus du pacte colonial scellé par la visite du ministre de la guerre sioniste au Maroc. Les Marocaines et les Marocains ont crié le refus de ce qui est considéré à juste titre comme un coup de poignard dans le dos du peuple palestinien. Les raisons de la mobilisation ne se résument pas à la critique des alliances géopolitiques belliqueuses que tisse la monarchie avec les ennemis des peuples arabes et de tous les justes du monde. En effet, la situation sociale est catastrophique. L'appauvrissement endémique des couches les plus précarisées, ajouté à la crise économique sans précédent, met le Maroc dans une situation très compliquée. En plus du stress énergétique et du chômage qui bat des records, la récession fait des ravages. Le gouvernement de Aziz Arnouch, déjà très impopulaire pour avoir saigné les classes laborieuses par l'application forcenée des consignes du FMI et par sa proximité criante avec les milieux oligarchiques, fait face à une situation de crise politique. Le mouvement social entre en écho avec la résistance du peuple du Sahara occidental pour faire valoir ses droits légitimes contre la politique du fait accompli colonial. La décision de la Cour de justice européenne, qui a statué sur l'interdiction de la pêche et de l'agriculture dans les territoires occupés, donne le la aux travailleurs marocains des secteurs agraires et piscicoles, particulièrement fragilisés par une politique d'exploitation forcenée au service des capitaux étrangers. Ce qui se manifeste par le non-respect de leurs droits les plus fondamentaux, liberté syndicale en tête. Le peuple marocain lève la tête pour dire non à l'abus de pouvoir et à la trahison. La mobilisation continue dans l'espoir de mettre fin à une situation de déni de droit qui dure depuis trop longtemps. De l'émir Abdelkrim à Mehdi Bambarka, l'histoire de la lutte du peuple marocain est aussi celle de la défense des principes de fraternité maghrébine, arabe et africaine, de la solidarité et du progrès, malgré les cabales et l'adversité portées par la coalition de toutes les réactions. Et l'Algérie qui rappelle sa position constante à l'égard de la question sahraoui, le président de la chambre haute du Parlement, Salah Goudjil, a été clair. La position de l'Algérie était et resterait inchangée. Je vous propose de l'écouter. Notre position reste inchangée concernant le Sahara occidental. Il s'agit de l'autodétermination d'un peuple et l'Algérie a toujours soutenu l'autodétermination des peuples. Le peuple sahraoui doit jouir de son droit à l'autodétermination. Le peuple sahraoui est libre de choisir son destin. Qu'il choisisse l'indépendance ou l'annexion à un autre pays, il est souverain de sa décision. Nous avons vécu des années de colonialisme où était clamée l'Algérie française. Aujourd'hui, il est question du Sahara marocain. Le Sahara occidental n'est pas marocain, en témoignent les organismes internationaux avec à leur tête l'ONU. Présidentielle en Libye, nouveau rebondissement. Saif al-Islam Gaddafi a vu sa candidature rejetée hier. 24 autres candidats ont également été éliminés de la course à l'élection par la haute commission électorale. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Une traversée du désert qui n'en finit pas pour le fils du colonel Gaddafi, Saif al-Islam, dont la candidature a été rejetée
mercredi par la haute commission électorale. La commission a écarté la candidature du fils de l'ex-dirigeant libyen, ainsi que 24 autres sur la base de plusieurs textes de loi et de lettres qui lui ont été adressées par le procureur général. Cette même instance avait pourtant déclaré le 14 novembre dans un communiqué que le dossier déposé par Saif el-Islam remplissait toutes les conditions juridiques requises par la loi numéro 1 relative à l'élection du chef de l'État et adoptée par le Parlement. La Libye est en proie à des luttes de pouvoir qui secouent le pays depuis l'intervention de l'OTAN en 2011. Aboutissement d'un processus laborieux parrainé par l'ONU, la présidentielle du 24 décembre et le scrutin législatif prévu un mois plus tard sont censés tourner la page de la décennie de chaos qui a suivi la chute du régime de Muammar al-Kadhafi. Et au Soudan, les manifestants de nouveau dans les rues des grandes villes du pays, 4 jours seulement après les accords signés entre le général Al-Burhan et le premier ministre Abdullah Hamdok. Les manifestants appellent à la mise en place d'un régime totalement civil et démocratique, tout en rejetant ce qu'ils qualifient de coup d'État militaire. De son côté, Al-Burhan dément l'existence d'un coup d'État militaire et affirme avoir pris ses mesures pour protéger le pays d'un réel danger, accusant les forces politiques d'inciter au chaos. Au Mali, au moins 3 personnes ont été tuées dans la nuit de mercredi à jeudi à l'entrée de Bandiagara dans le centre du Mali. Une attaque menée par un groupe d'individus armés non encore identifiés. En Somalie, 8 personnes sont mortes et plus d'une dizaine de blessés dans l'explosion d'une voiture piégée. L'attaque a eu lieu dans la capitale somalienne, Mogadiscio. Elle a été revendiquée par le groupe terroriste des Shabab. Selon des témoins sur place, un convoi militaire de l'AMISOM, la force de l'Union africaine en Somalie, passait dans cette zone au moment de l'explosion. En septembre, 2 attentats à la voiture piégée revendiquée par les Shabab ont fait 17 morts dans la capitale somalienne. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancé un appel urgent pour un cessez-le-feu immédiat afin de sauver le pays en Éthiopie. Au moment où les factions rebelles s'approchent d'Addis Abeba, le premier ministre Abiy Ahmed a rejoint le front sur le terrain, comme annoncé lundi dernier. Plus de détails avec Amin Tota. C'est sur le front que la dernière ligne droite se dessine pour Abiy Ahmed dans son conflit qu'il oppose au groupe tigréen. Après avoir conféré la gestion des affaires courantes au vice-premier ministre, le prix Nobel pour la paix 2019 n'a pas hésité à endosser l'uniforme militaire en signe de lutte pour la défense du pays, notamment la capitale Addis Abeba, dont les factions rebelles s'approchent à grande vitesse ces dernières heures. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est en marge de sa visite en Colombie, a appelé les parties du conflit à opter pour un cessez-le-feu afin de sauver le pays du spectre d'un désastre humanitaire et de la guerre civile. Une initiative onusienne qui s'ajoute aux appels de la communauté internationale, à l'instar de Washington, qui insiste sur la retenue et l'exclusion de tout choix militaire. Des manœuvres internationales en vain, car c'est le bruit des armes qui prend le dessus pour l'instant dans ce pays ravagé par ce conflit depuis plus d'une année, entre l'armée fédérale de Abiy Ahmed et les milices tigréennes, qui défient toute autorité d'Addis Abeba. Pour rappel, ces derniers mois ont connu le ralliement de plusieurs autres factions rebelles au groupe armé tigréen. Un nouveau module russe nommé Prichal est en route vers la station spatiale internationale ISS. Le module de 4 tonnes servira de nœud d'amarrage permanent pour le segment russe de l'ISS. Après la désorbitation de l'ISS prévue en 2030, le module devrait constituer le nœud d'amarrage d'une nouvelle station spatiale. Transporté à bord d'une fusée russe Soyouz, le module devrait atteindre l'ISS vendredi 26 novembre au matin. Russie toujours et ce drame qui a coûté la vie à au moins 11 personnes, tandis que 50 autres sont toujours portés disparus suite d'un accident dans une mine de charbon de Sibérie. Les causes de l'accident ne sont toujours pas connues. Les opérations de sauvetage dans la mine en question sont en cours. Au total, 237 personnes ont été ramenées à la surface, a fait savoir le ministère des situations d'urgence russe sur Telegram.
43 personnes ont été hospitalisées, dont 4 dans un état grave. Les opérations de sauvetage ont cependant dû s'interrompre en raison d'un risque d'explosion. Au nord de la France, au large de Calais, 27 migrants ont été retrouvés morts, noyés. Les défunts tentaient de traverser la Manche pour rejoindre les côtes britanniques. Le parquet de Dunkerque a annoncé l'ouverture d'une enquête pour aide à l'entrée au séjour irrégulier en bande organisée et homicide involontaire aggravé. 4 passeurs suspectés ont été arrêtés. En Europe, retour du confinement en Slovaquie, pour 2 semaines. Il s'agit du 2e pays européen à imposer des restrictions de déplacement face à la nouvelle vague de Covid-19. Du côté de l'Italie, l'étau se resserre autour des non-vaccinés. Neilaït Hamouda. La situation sanitaire ne cesse de se dégrader. Après l'Autriche, la Slovaquie annonce un confinement partiel de 2 semaines. Il s'agit du 2e pays européen à imposer les restrictions sanitaires à partir de vendredi. Toute personne vaccinée ou pas ne pourra quitter son domicile que pour des raisons spécifiques, à savoir acheter les produits de première nécessité, se rendre au travail ou à l'école, ou aller se faire vacciner. Les personnes non vaccinées devront passer un test de dépistage pour aller travailler, à moins qu'elles ne soient guéries du Covid-19. Le ministère de la Santé slovaque estime que le pays a atteint le seuil d'une catastrophe humanitaire. Il a confirmé l'aggravation de la situation sanitaire dans un pays qui compte 5,5 millions d'habitants. Pour la première fois depuis le début de l'épidémie, le seuil des 10 000 nouveaux cas de contamination a été dépassé. En l'espace d'un mois, le nombre de personnes hospitalisées a triplé. L'Italie, quant à elle, resserre la vis. Le gouvernement annonce de nouvelles restrictions. Les personnes non vaccinées ne pourront plus avoir accès aux restaurants, bars, cinémas, théâtres, discothèques et salles de sport. La vaccination est devenue obligatoire pour les travailleurs du secteur public, comme les enseignants. La 3e dose de rappel, quant à elle, est ouverte aux plus de 40 ans. Et en Turquie, plus de 27 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées ces dernières 24 heures. Le ministre turc de la Santé annonce 175 nouveaux décès sur la même période. Il est à noter que 90% de la population âgée de plus de 18 ans ont reçu la première dose, tandis que 80% de cette même catégorie présente un schéma vaccinal complet. En vue de faire du secteur numérique un levier de croissance de l'économie africaine, la première édition du Africa Digital Economy Forum a été lancée aujourd'hui. Objectif, impulser des actions concrètes tant sur les stratégies et les investissements que sur la réglementation du secteur du numérique au sein des organisations publiques et privées sur le continent africain. Plus de détails avec Mohamed Wali Ben Chaban. Lancé dans sa première édition virtuelle, Africa Digital Economy Forum, une plateforme d'échange incontournable qui met l'économie digitale au cœur des problématiques et solutions du continent africain. En Afrique, le développement des écosystèmes digitaux est le meilleur levier pour redynamiser les économies du continent. Le Forum Digital Economy Forum, c'est une première édition cette année qui essaie de mettre l'accent sur la transformation digitale. Comme vous le savez, le digital maintenant, c'est un trend global qui touche à tous les secteurs de l'économie. Et d'ailleurs, l'économie digitale, elle est en train de croître de façon fulgurante. Donc, on dit, il y a des études qui montrent que l'économie digitale, sa croissance, elle est 6 fois plus rapide que l'économie traditionnelle. Donc, il faut s'y mettre. Pour cette première édition, l'événement s'articulera autour de 4 thématiques principales. L'infrastructure digitale, transformation et stratégie digitale, l'innovation digitale, la formation des talents au numérique. Alors en fait, c'est les thématiques qui sont nécessaires, c'est des priorités nécessaires pour assurer cette transformation digitale. Donc je peux vous dire par exemple que dans le secteur de la formation, on fait beaucoup de choses. On a une stratégie qui est très élaborée dans tous les pays, notamment en Algérie par exemple, où on a lancé pas mal de programmes éducatifs. Bâtir les fondements nécessaires pour généraliser l'usage du numérique en Afrique permettra l'essor d'une économie numérique et améliorera l'efficacité et l'efficience des efforts dans ce domaine.
Selon les prévisions de la Conférence des Nations Unies pour le développement, les prix à l'importation et à la consommation pourraient prochainement bondir si la crise du transport maritime perdure. La pandémie a amplifié les défis qui existaient déjà dans le transport maritime. Les taux de fret qui connaissent des pics spectaculaires risquent d'impacter le portefeuille des consommateurs un peu partout dans le monde. Très bien, Patache. Le secteur mondial du transport maritime serait-il menacé par une crise majeure? Le segment du fret traverse en effet une des pires périodes de son histoire et menace de perturber les chaînes d'approvisionnement dans le monde. En cause, la hausse des prix du fret qui atteignent des sommets jamais observés depuis 1998. En l'espace de 3 ans, ils sont passés de 3 000 $ à 14 000 $ pour un conteneur équivalent 20 pieds, soit un bond de plus de 400%. La paralysie des ports suite à l'apparition de la pandémie Covid-19, notamment sur le continent européen, qui totalise à lui seul 41% des chargements portuaires dans le monde, conjuguée à une pénurie universelle de conteneurs, seraient selon les experts les deux causes principales de cette anomalie. Selon les prévisions de l'ACNUSET, les prix à l'importation et à la consommation pourraient prochainement bondir si la crise venait à perdurer. Dans son dernier rapport publié en septembre dernier, l'organisation onusienne indique que la hausse vertigineuse des taux de fret conteneurisés est à l'origine d'une grande partie de l'inflation dans les pays du G20. Car en bout de chaîne, des conséquences dévastatrices menacent les économies de plusieurs pays, au vu du caractère hautement inflationniste que ce phénomène est susceptible d'engendrer, notamment au niveau de leur balance commerciale. En Algérie, cette situation plante les jalons d'une discussion autour du rôle joué par le pavillon national que le gouvernement tient à renforcer, afin d'éviter le recours aux transporteurs étrangers et optimiser ainsi les capacités du pays à maîtriser les chaînes de valeur et les coûts relatifs aux importations. Et ce 25 novembre marque la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, une journée mondiale préconisée par l'ONU pour hisser la prise de conscience de la société quant au danger de toutes les formes et pratiques de violence à l'égard des femmes. La minute web de ce 19h est justement dédiée à cette journée internationale. Dans la minute web d'aujourd'hui consacrée à la journée internationale contre les violences faites aux femmes, nous ferons un tour du web en allant de Paris à New York en passant par le Vatican. Ça se passe à Paris. Samedi dernier, près de 50 000 personnes, dont une majorité de femmes, ont battu le pavé pour dénoncer les violences dont elles sont victimes. Elles sont sorties exprimer un mécontentement face à des chiffres alarmants. 102 femmes ont perdu la vie en France en 2020. C'est le signe à connaître pour signaler toute violence physique ou morale subie. Il a beaucoup fait parler de lui depuis qu'il a récemment sauvé la vie d'une New-Yorkaise qui a été kidnappée. La jeune fille se trouvait dans la voiture du malfaiteur au moment où elle a fait comprendre à un autre automobiliste qu'elle était en danger. Sans dire le moindre mot, le bienfaiteur a compris et signalé aux autorités ce qu'il venait de voir, qui à leur tour sont intervenus pour sauver l'adolescente. Direction le Vatican où le pape a accueilli, dans la basilique Saint-Pierre, les associations de lutte contre les violences faites aux femmes. Il a salué leurs efforts et a tenu à apporter un soutien pontifical à toutes les femmes du monde victimes de violences et à saluer les efforts de ceux qui les protègent. C'est sur ces images que s'achève notre Minute Web. Du sport sur les murs, les maillots, mais surtout dans les cœurs. Diego Armando Maradona est encore partout. Jeudi 25 novembre sonne le premier anniversaire de la mort du Pepe de Oro, le garçon en or. Retour sur une carrière, mais aussi une veille semée d'embûches pour la légende du football avec Mohamed Amin Abelkan. Si yo fuera Maradona. Un an après sa mort, personne n'a oublié Diego Armando Maradona. Sur le maillot en vitrine, le visage de la star décédée il y a un an à l'âge de 60 ans apparaît au cœur d'une empreinte digitale. Symbole de l'héritage laissé par la légende argentine, dont les exploits sont pour toujours dans les mémoires. Décédé d'une crise cardiaque 2 semaines après une opération pour un caillot de sang à la tête, à Naples, une statue sera installée devant le stade qui porte déjà son nom pour célébrer le lien éternel entre la ville italienne
et le plus napolitain des Argentins. Le club du sud de l'Italie a décidé de porter une tunique commémorative tout au long de ce mois de novembre en hommage à Diego Maradona pour service rendu. De loin, le meilleur joueur de ma génération et peut-être le plus grand de tous les temps après une vie bénie mais tourmentée, espérant qu'il trouvera enfin le confort entre les mains de Dieu, a espéré sur son tweet Gary Lineker, son adversaire lors du fameux Argentine-Angleterre au Mondial 86. Un an après sa mort, le Napoli lui dédie une page entière à la Gazzetta où on pouvait lire « Cela n'a jamais été un adieu, on ne peut pas dire adieu à quelqu'un qui n'est jamais parti. La légende du football est encore avec nous. Diego Maradona est parti, laissant le monde orphelin de son génie lui succéder. Relève du miracle. » De la culture à présent, comme nous vous le disions en titre, direction les sonorités rock des Aurès avec le groupe IOL créé en 2014 et qui depuis ne cesse de nous faire voyager dans les reliefs et montagnes de la wilaya de Betna. C'est un sujet signé Amir Abidja. C'est à Tkout, au pays des Aurès, au nord-est de l'Algérie, qu'est né le groupe IOL. Fondé par le duo Nesrine et Faisal, c'est sur les traces des plus grands monuments de la musique chaoui, Makunda, Dehia, Joe et Massinissa, que le groupe IOL puise son identité musicale. Les deux oiseaux des Aurès, ils défient toute conformité en sillonnant tous les styles musicaux. Du rock au folk, en passant par le reggae, ils soufflent un vent nouveau sur la scène musicale chaoui. Mariés et femmes dans la vie, leur union se traduit aussi sur scène. Un duo atypique et une parfaite symbiose. Le couple décide de donner vie à leur premier album grâce à un financement participatif à travers une plateforme spécialisée. Les membres de IOL, très proches de leur public via différents réseaux sociaux, font appel à tous les amoureux de la musique et de la culture chaoui. En tamazight, IOL signifie éternel espoir, l'espoir qui portera ce groupe aux plus grandes scènes du monde. Faire rayonner la culture algérienne serait tout à leur honneur. Le groupe IOL qui sont justement l'invité de ce 19h, un groupe composé entre autres de Nesrine et Faisal. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous et merci pour l'invitation. Très bien. Alors, donc, on va commencer avec cette première question. Déjà, donc, vous venez avec un projet, votre album qui s'intitule Hamrat, c'est ça? C'est bien ça, je prononce bien. Très bien. Donc, que signifie justement ce nom? On va commencer avec vous, Faisal. Hamrat, c'est la vieille en berbère ou en chaoui, qui signifie ou qui symbolise la terre, la sagesse, l'authenticité, la culture, voilà tout ça. Très bien. Donc, le projet d'album, ce qui veut dire donc, que l'album n'est pas encore sorti. Donc, il est toujours en cours. On va dire que c'est à cause des difficultés financières, quelque part. Oui. Voilà. Mais cela ne vous a pas empêché, on va dire, de s'adapter à cette situation. Oui. Justement, qu'est-ce que vous avez fait justement par rapport à ça? Justement, nous savons tous que la crise sanitaire a touché tous les secteurs économiques, y compris le secteur culturel, mais ça ne nous a pas découragés et on est parti vers justement le financement participatif sur une plateforme internationale. Et d'ailleurs, c'est une première en Algérie où un groupe algérien basé en Algérie dans la musique et il passe par ce financement participatif. D'accord, voilà. Très bien. Et IOL, qui veut dire espoir éternel, c'est bien ça? Infini espoir. Au fait, en chaoui, on dit Imel di IOL. Imel, c'est l'année prochaine. IOL, c'est tout ce qui vient après et on le dit seulement dans le cas positif. D'accord, très bien. En plus donc de l'espoir de voir votre album sortir, quel est l'éternel espoir justement ou l'infini espoir de Faisal et de Serine? Et de faire voyager et de faire connaître notre culture à l'international.
D'accord. Justement, on sait très bien aussi que la musique est le langage universel et on veut faire connaître à travers cette musique notre culture, notre vie, notre espoir. On veut le partager avec le monde. Et on veut aussi que ce monde partage lui aussi avec nous sa musique et son éternel espoir. Et le groupe Iwell, c'est-à-dire la musique du groupe Iwell, elle est destinée à qui, finalement? Est-ce qu'à tout le monde? Tout le monde. D'accord. À tout le monde. À l'être humain. À l'être humain en général. Ah. Donc, petit, grand, tout le monde peuvent écouter cette musique. Bien sûr, même si c'est en chewi. Oui. C'est parce qu'on chante en chewi. Mais beaucoup de nos fans ne comprennent pas le chewi, mais ils ressentent la musique. Parce que justement, c'est l'émotion qui est envoyée à travers notre musique. Et quel autre style musical peut vous ressembler, on va dire? On touche un peu de tout. Le style, c'est Iwell. D'accord. D'abord. Et après, il y a un peu de tout. On touche un peu de blues, de rock, mais il y a toujours le timbre ou l'empreinte de Iwell. Quel bilan vous faites de la musique chewi sur le plan international, on va dire? National ou international? La musique chewi, ça a commencé avec Germany à l'Olympia. Il ne faut pas oublier ce détail. Oui, et il y a aussi. C'est le premier chanteur qui a chanté, le premier chanteur algérien qui a chanté à l'Olympia en 1938. Ouais. Il y a aussi Marcunda, il y a Dihia, il y a des empreintes de la chanson chewi. C'est vrai que ils sont pas très médiatisés, mais quand on va vers cette musique et quand on la découvre, on retrouve une certaine universalité qui est vraiment étonnante parce que les rythmes chewi, c'est des rythmes authentiques et on les trouve partout. On peut trouver du chewi dans le rock, dans le blues, dans le reggae, tout et peut même s'adapter. Dans le jazz. Voilà. Ouais. Dernière question, quelle ambition du groupe Iwell? C'est quoi votre ambition en fait? Quelles sont vos ambitions futures, on va dire? Ben non, ça n'arrête pas. Voilà, des albums? Là, des albums, bien sûr. Il y a l'album déjà, l'album Hamgard qui contient 16 titres. Hamgard, c'est le titre, c'est le questionnement. S'exporter à l'international, pourquoi pas? Bien oui. Sûr, c'est le but. Le but. Très bien. Communiquer avec le monde. C'est parfait. Voilà. Merci beaucoup, Nusrine. Merci beaucoup, Faisal. Merci. Merci pour cette invitation. Voilà. Espérons voir votre album sortir bientôt. Merci beaucoup. Donc, on peut dire à nos téléspectateurs d'aller sur nos réseaux sociaux, de suivre, de rester à jour parce qu'à chaque fois, il y a du nouveau. Voilà. Sur la page Facebook, Iwell. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Voilà, donc zoom ce soir sur l'utilisation des armes chimiques pendant les guerres de 1830 à 1962. La conquête et l'occupation militaire française de l'Algérie a utilisé de nombreux procédés génocidaires, l'utilisation d'armes de destruction massive en est un des aspects les plus alarmants et en plus des essais atomiques dans le sud algérien, le colonialisme a expérimenté pour la première fois de l'histoire des armes chimiques. Reportage Sofiane Barouti. En 1830, la France du monarque Charles X se lance à la conquête de l'Algérie, au cœur de l'Afrique du Nord, clé de voûte de l'espace afro-méditerranéen. Le caractère religieux de la campagne est affiché. 16 prêtres accompagnent le contingent militaire de l'armée d'Afrique quand le général de Bourmont brandit la croix pour célébrer la reddition du Dey d'Alger dans ce qui est présenté clairement comme une croisade contre le peuple algérien à l'avant-garde du monde musulman. L'option génocidaire se révèle vite au centre des choix stratégiques de l'armée d'agression impériale. Les généraux français donnent vite carte blanche aux pires exactions, violant dès le départ la déclaration d'Alger. Le massacre de la mosquée de Kitchawa en est la parfaite illustration. L'armée française, qui était composée de 40 000 cavaliers et fantassins,
accompagnés de 16 aumôniers qui assuraient la prise en charge spirituelle des soldats qui, en cas de mort en Algérie, étaient inhumés selon le rite chrétien. La politique française était une croisade religieuse avec pour objectif l'évangélisation des populations qui a commencé avec le prêtre Pavé et la cathédrale Notre-Dame d'Afrique. L'avancée de la conquête confirme l'ambition génocidaire et le caractère criminel de l'armée coloniale. La politique de la terre brûlée, pensée et conduite par Bugeaud et Randon contre les résistances de l'émir Abdelkader, de Chérif Boubrela, de Lella Fatman Sommer et de tant d'autres, mais aussi la barbarie scientifique de Pélissier, Saint-Arnaud, Clausel et consorts, dans l'objectif de noyer dans le sang les Moudjahidines, compagnons de Nasser Ben Shohra, d'El-Berkane, de Cheikh Bouziane et d'autres combattants de la résistance populaire contre l'assaut colonial. Ce qui veut dire qu'il y a une série de crimes imbriqués les uns dans les autres dans la bataille de l'Rouat. Et la bataille de l'Rouat, évidemment, est un tremplin pour demander sur le plan international de la reconnaissance de la première expérience chimique sur les humains par le chlore, par l'armée française, et l'incriminer conformément au droit international. C'est dans cette atmosphère que les généraux français utilisent pour la première fois dans l'histoire les armes de destruction massive. Les gaz de combat, qui seront utilisés à grande échelle entre 14-18 et dans le Rif contre l'émir Abdelkrim par la coalition coloniale. Il faudrait revenir à l'histoire et aux conjonctures. Sur le plan mondial, on ne reconnaît l'usage des armes chimiques qu'à partir de la guerre de Crimée, c'est-à-dire 1853-1856. Mais en réalité, les crimes qui ont été commis en Algérie par l'armée française en faisant usage des armes chimiques, c'est 1852. Aucun écrit ne parle de cette date, c'est-à-dire le chlore utilisé pour tuer les Algériens et ceux qui sont restés donc dans une gêne respiratoire extraordinaire, eh bien, ils les ont mis dans des sacs de jute et ils les ont laissés mourir. Après les campagnes des Enfumades, les plus illustres contre les tribus des Aoufia al-Hallash, contre les Sbeha et contre les Ouled Riyah ensuite, il y a eu l'utilisation à des fins d'anéantissement des armées des populations civiles algériennes d'armes chimiques. Le Rouat, 1852. Cette date devra devenir tristement célèbre pour toute l'humanité, étant la première fois où des armes chimiques sont utilisées à grande échelle dans l'objectif déclaré de décimer la population d'une cité. Ce qui la caractérise est l'utilisation d'armes prohibées mondialement. Le chloroforme est une arme chimique. L'un des facteurs qui ont conduit à l'utilisation de ce procédé criminel est l'acharnement de la résistance populaire, conduit notamment par Abdelkader et Ahmed Bey, ainsi que la difficulté de la conquête de Biskra. La résistance populaire se démarque par son lien organique, malgré son apparence disparate. Les deux tiers de la population de la ville au jardin sont décimés au chloroforme. Les blessés sont innombrables. Les survivants sont parqués dans des camps de concentration. Les notables mis dans des sacs et brûlés vifs. Et le reste sont jetés dans les puits. Le général Pélissier décide de déporter les survivants ou de les livrer aux chiens et aux corbeaux. Quel procédé sordide pour une mission civilisatrice. Toute l'histoire de la colonisation est celle de l'utilisation scientifique de procédés de crimes de masse génocidaires pour les besoins du dispositif militaire raciste qui modèle la forme d'organisation coloniale. Et c'est avec ce reportage que nous arrivons à terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, un point météo signé Amel Zitouni. Excellente soirée sur Al24 News. À demain, 13h.